quoi que tu fasses maintenant, Alex. J'espère que ce n'est pas un complot pour détruire ma famille. Je dois savoir quel est ton projet. Ici, juste là, mettez ça ici. Oh, waouh! Il y a tout à manger. Ah, pas de souci, vous n'avez qu'à manger, ok? S'il y a quelque chose que vous voulez, n'hésitez pas à nous dire. Vraiment? Si c'est vrai, dépêchons-nous, allez! Oh mon Dieu, Andy, ne sois pas trop excitée. On ne connaît pas le prix de la nourriture ici. Ah, ne vous inquiétez pas de ça, c'est Sarah qui... Allez, commencez à manger, allez! C'est Sarah qui vous offre tout ça. Fume ça, c'est oui, les cochons croustillants. Merci. Merci. Ah, très bien. Okay, merci, madame. Merci. C'est pour toi. Ok. Commençons par ça. Maman? Est-ce que tu veux du calmar? Tu as appelé papa? Je lui ai envoyé un message, mais il n'a pas encore répondu. Je vais l'appeler alors. Non, laisse-moi le faire. Garde-moi mon sac et fais manger Rebecca. D'accord. Je vais passer. Excuse-moi, Seb. Mange quelque chose. Est-ce que tu veux manger? Mange avec les mains, Andy. Je vais bien. Mange d'abord. D'accord. Cara, tu veux goûter ça? Et s'il te plaît, donne-nous des nouilles. Eh, hey, mange, ma petite. Wow, elle est tellement belle, merci, ma fille. Madame, Laura? Appelez-moi juste Laura. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je regardais ces photos. Rebecca est toute petite sur celle-ci. Oui, c'est vrai. Vous savez quoi? Même en regardant une photo, vous pourrez voir combien elle est vive depuis toute petite. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens tout d'un coup du... temps où nous étions séparés. Le temps que j'aurais pu passer avec Sarah et aussi avec ma petite fille. Laura, je suis désolée. Si j'avais su où vous trouvez, alors j'aurais fait quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez enfin réunis et plus jamais séparés. Je vous remercie. Merci mille fois, Cynthia. Ah, ce n'est rien. Non, sincèrement, je vous remercie. Je suis contente que ma fille vous ait rencontrée quand nous n'étions pas à ses côtés. Vous êtes tellement gentil. Oh, vous exagérez. Enfin, tu es là! Comment as-tu osé me faire attendre? De tous les endroits. Pourquoi nous rencontrer ici, hein? Pour que personne ne nous suive. Tu as raison. Le beau-père de mon frère nous a déjà vus. Je ne veux pas qu'il ait des doutes sur moi. Tout est de ta faute. C'est parce que tu es trop avide. Détends-toi, Alex. Tu es trop nerveuse. Relaxe-toi. Tu dois avoir oublié que j'en sais beaucoup. Tu vois? C'est ce en quoi tu es forte, me menacer. Oh, vraiment? Alors est-ce que tu veux que je dise à la famille que tu es derrière le kidnapping de la fille, quelle fille déjà? Cara?
Et que tu m'as payé parce que tu voulais te venger de Kara d'avoir ruiné tes relations avec ton frère. Si tu ne veux pas me payer, je suis sûre qu'il me donnerait une grande somme pour savoir où il pourrait retrouver... Comment s'appelle cette fille ? Isabella ? Tiens, c'est pour toi. Prends ton argent. Peut-être ça suffit pour te faire taire ? Tu sais, Alex, si tu faisais comme je te dis, nous serions allés. C'est quoi votre problème ? Monsieur Ishmael ? Comment as-tu pu faire ça ? Tu n'as aucune conscience. Et alors toi, Alex, tu as trahi ta propre famille. Pourquoi tu as fait ça? Alex, tu ferais mieux d'arranger ça. Sinon, je vais le faire moi-même. Alex. Oui, Isabella. Où est-elle ? Hé, monsieur, si j'étais vous, je ne dirais rien maintenant. Ne t'en mêle pas. Tu vas payer pour ce que tu as fait à ma famille. Où est ma petite fille ? Mahalin pa rin kita kahit na alam ko na mawawala ka. Asahan mong pag-ibig ko'y wagas tayong dalawa. Hanggang wakas. Donc, tu ne diras rien. Monsieur Ishmael, qu'est-ce que tu fais ? Je vais appeler la police. Vous deux, allez en prison pour ça. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. Donne-moi. Mais laisse-moi. Donne-moi. Monsieur Ishmael ? Monsieur Ishmael ? Monsieur Ishmael ! Monsieur Ishmael ! Alex ! Non, attends ! Nous devons appeler une ambulance ! Alex, appeler pardon, une ambulance. Pardon ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce qu'on va le laisser mourir ? Est-ce que tu peux passer le reste de ta vie en prison ? Moi, je ne peux pas ! Il sait déjà notre secret, non ? À ton avis, Sylvie, qu'est-ce qui nous arrivera ? Nous allons faire comme s'il avait été pillé. Je vais m'occuper de ça. Tu dois partir. Allez, pars. Je t'ai dit de partir. Allô, patron. J'ai besoin de votre aide. Vous allez bien, mademoiselle ? Je vais bien. Pas de soucis, monsieur.
maman d'être venue. Merci beaucoup, ma fille. Seb, laisse-moi la porter. Je suis sûre qu'elle pèse lourd. Elle n'est pas lourde, ça va. J'espère que la représentation vous a plu. Bien sûr, Sarah. Tu m'as vraiment impressionnée. Je reviendrai. Sarah, montre-nous où tu habites la prochaine fois. Nous voudrions vraiment savoir où tu habites. Oh non, n'y allez pas, ma maison est vraiment trop petite et il y a trop de personnes. Nous nous revoyons ici à la boîte Felicidad. Mais j'espère que papa pourrait venir. Dommage qu'il n'ait pas vu la représentation. Oui, exactement. Il n'a même pas répondu à mes appels et mes messages. Regarde, même pas un message. Je me demande où il est. Oh, je suis désolée. Nous devons rentrer maintenant. Anna doit m'atteindre. Oh, tu as raison. Oh, oui, désolée. Je suis désolée. Allez-y. D'accord. Mon Dieu, ma chérie. Chérie, merci. Tu es faite pour la scène. Tu étais la meilleure, merci, Sarah. Merci, chérie. Salut. Merci. Allez, on y tu va. Tu as bien fait ce soir, Sarah. On reviendra. Merci. Salut. Sarah, nous allons partir maintenant. Allez, au revoir. Merci. Prenez soin de vous. Salut. À bientôt. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut. Reposez-vous, bye bye. Ok. Prenez Bonsoir. Soin de vous. Maman, peut-être que papa est rentré directement. Mais pourquoi il ne répond pas au téléphone? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Je m'inquiète vraiment. Laura, calme-toi. Nous y sommes presque, n'est-ce pas? Ishmael pourra même nous ouvrir la porte. Peut-être qu'il est à la maison avec Alex. Je vais l'appeler. Oui, s'il te plaît. Allô? Alex, est-ce que ça va? Ça va bien. Où est Anna? Elle va bien? Elle va bien. Elle vient de s'endormir. Alex, dis-moi, est-ce que papa est là? Quoi? Non, il n'est pas là. Ah, vraiment? Alex, vérifie toute la maison, s'il te plaît. Il n'est pas venu avec nous à la boîte de Sarah. Nous nous inquiétons pour lui. Il n'est pas là, Seb. Mais je vais chercher partout quand même. Ok, merci. Tante Alex ? Est-ce que tu es sortie ? Anna ? Je suis allée voir une de mes amies. Mais tu ne peux pas le dire à personne d'autre, d'accord ? Tu ne dois jamais le dire aux autres. Surtout ta mère et ton père. Tu ne dois pas leur dire, ok ? Est-ce que tu comprends ? Ne leur dis pas. Parce que si tu leur dis... Ils vont se mettre en colère. Ils seraient en colère contre nous. Ils nous gronderont. Ils te demanderont pourquoi tu es debout. Tu veux que ça arrive? Tu veux qu'ils nous grondent toutes les deux? Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Donc tu ferais mieux d'aller en haut et de te coucher. Et ne dis à personne que je suis sortie, ok? Vas-y, va en haut. Va te coucher. Vas-y. Monte. Monsieur. Monsieur. C'est interdit de stationner ici. Tu sais quoi? Je pense qu'il a trop bu. Je pense qu'il est grièvement blessé. Il saigne. Fais le rapport. Mais je sens son pouls. Base. Il y a un homme blessé sur l'avenue Garcia.
Barangay San Roque. Envoyez une ambulance immédiatement. Salut Seb, Kara. Comment était la fête? C'était bien, on s'est amusé. C'était très bien. Oh, quelqu'un est au portail. Est-ce qu'Ishmael est rentré? Entrez s'il vous plaît. Non, pas encore. Tante Laura, ce sont des policiers. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le camion avec la plaque AAJ2278 est à vous? Il appartient à mon mari. Un homme a été découvert dans le camion, inconscient et couvert de sang. Que dites-vous? Mademoiselle, où est mon mari? Ishmael Suarez. Il vient d'être emmené dans la salle d'urgence. C'est par là, madame. Allons dans la salle d'urgence. Ishmael? Ishmael? Oh chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ishmael? Ishmael, tu peux m'entendre? Quoi? Isabella... Je ne t'entends pas. Je suis désolée, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas, qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Isabella... Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chéri? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ishmael? Ishmael? Docteur, qu'est-ce qu'il a? Excusez-moi, nous devons emmener le blessé dans la salle d'opération. Il a une hémorragie dans le cerveau. Nous devons évacuer le sang. Comment? Ishmael, mon amour, sois fort. S'il vous plaît, vous nous devez sortir là de là. Toi. Mademoiselle, je t'aime vous tellement. Devez partir. Sortez de là, s'il tous. Vous plaît. Ishmael, oui, sois pas, fort, mon pas. Chéri. Ishmael. Infirmière, faites-les sortir. Infirmière, s'il vous plaît, Ishmael. Emmenez-les. Itoy? Allô, Sarah? Qu'est-ce qu'il y a, Itoy? Sarah, ma chérie, c'est ton père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas, Sarah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la police a dit que ton père avait été grièvement blessé. Nous sommes à l'hôpital maintenant. Viens tout de suite! Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, papa est courageux. Il est fort. C'est le plus fort parmi nous, souviens-toi. Surtout quand nous étions faibles. C'est la raison pour laquelle je suis sûre qu'il s'en sortira. Papa va s'en sortir cette fois, maman. Comme pour tous les problèmes auxquels il a fait face. Papa va s'en sortir. Maman! Mademoiselle, où est mon père? Il s'appelle Ishmael Suarez. Par là, madame. Merci. Maman! Sarah! Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, on ne sait pas non plus. La police pense que papa a été victime d'un vol. Ces criminels qui n'ont pas honte! Une fois à revoir ce qui a fait ça, je la tuerai! Je suis d'accord avec toi, Sarah. Ne t'inquiète pas, après l'opération de ton père, je suis sûr qu'il identifiera le coupable qui l'a blessé. Je vais le tuer, le coupable! Je suis hors de moi. Maman. Docteur, comment va mon mari? Est-ce qu'il va bien?
Est-ce que mon mari va bien ? Je suis désolé, Madame Suarez. Quoi ? Ishmael a eu un saignement massif. Nous avons dû percer un trou pour évacuer le sang. Mais... Mais quoi ? Mais il a eu une crise et est mort pendant la procédure. Nous avons essayé de le ranimer, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi. Je suis vraiment désolé. Ishmael. Je suis désolé. Ishmael. Non, ce n'est pas vrai. Ishmael. Ah!